Citroën tombe manifestement du ciel, dans la mesure où elle se présente d'abord comme un objet modeste. Il ne faut pas oublier que l'objet est le meilleur messager de la surnature. Il y a facilement dans l'objet à la fois une approximation et une absence d'origine, une clôture et une peinture, une transformation de la vie en matière. La matière est bien plus magique que la vie. Et pour tout dire, un silence qui appartient à l'ordre des possibles. La deux chevaux a tous les caractères, du moins le public commence-t-il par les lui prêter unanimement, d'un de ces objets descendus d'un autre univers qui ont alimenté la néomanie de la fin du 19e siècle et celle de notre science-fiction. La deux chevaux est d'abord un nouveau pitalugue. C'est pourquoi on s'intéresse moins en elle à la substance qu'à ses joints. On sait que l'ondulé est toujours un attribut de raillerie, parce que son contraire trahit une opération technique et toute humaine d'ajustement. La couronne du Christ était tout en épines, comme les aéronefs de la science-fiction sont d'un métal rapiécé. La deux chevaux se prétend au pur nappé, pique-nique, et que sa forme générale est plus proche de la galette militaire. Ce sont les emboîtements de ces plans qui intéressent le plus le public. On tâte furieusement la jonction des vitres, on passe la main dans les larges rigoles de fer blanc qui relient les ailes à la malle arrière. Il y a dans la deux chevaux l'amorce d'une nouvelle phénoménologie de l'ajustement. Comme ici, l'on passait d'un monde d'éléments soudés à un monde d'éléments juxtaposés et qui tiennent par la seule vertu de leur forme merveilleuse, ce qui, bien entendu, est chargé d'introduire à l'idée d'une nature plus facile. Quant à la matière elle-même, il est sûr qu'elle soutient un coup de la légèreté au sens magique. Il y a retour à un certain aérodynamisme, nouveau pourtant dans la mesure où il est moins massif, moins tranchant, plus étal que celui des premiers temps de cette mode. La vitesse s'exprime ici dans des signes moins agressifs, moins sportifs, comme si elle passait d'une forme héroïque à une forme rustique. Cette spiritualisation se lie dans l'importance, le soin et le peu de surface vitrée. La deux chevaux est visiblement exaltation de la tôle ondulée. Ici, les vitres sont des ouvertures percées dans la coque obscure. Elles sont telles des lunettes de vue, à la brillance des bulles de savon, la minceur dure d'une substance plus entomologique que minérale. L'insigne Citroën, l'insigne chevron, est devenu d'ailleurs un signe ailé, comme si l'on passait maintenant d'un ordre de la propulsion à un ordre du mouvement, d'un ordre du moteur à un ordre de l'organisme. Il s'agit donc d'un art brioché, et il se peut que la deux chevaux marque un changement dans la mythologie automobile. Jusqu'à présent, la voiture populaire tenait plutôt du bestiaire, du poulailler. Elle devient ici à la fois plus juvénile en adolescence, et malgré certaines complaisances néomaniaques, la voici plus ménagère, mieux accordée à cette sublimation de distancialité que l'on retrouve dans nos arts ménagers contemporains, comme un moulin à légumes ou la clé à sardines. Le tableau de bord ressemble davantage à l'établi d'une cuisine moderne qu'à la centrale d'une usine. Les minces volets de tôle mat ondulés, les petits leviers à boules blanches, les voyants très simples, la discrétion même de la nickellerie, tout cela signifie une sorte de contrôle exercé sous le mouvement, conçu désormais comme utile plus que comme performance. On passe visiblement d'une alchimie de la vitesse paysagère à la gourmandise de la conduite.